L'Association pour le développement de Mont-Ili, ADMI, a tenu son Assemblée générale annuelle, édition 2023 à Fianga. Cette grand-messe associative a pris l'allure d'une véritable rencontre sous-régionale où avaient pris part plusieurs invités de marque, venus du Tchad profond et du Cameroun, pays voisins où vivaient un nombre assez important des communautés Tuburi, Massa, Kera et Moussé. Toutes ces différentes communautés qui cohabitent ensemble pour composer le département de Mont-Ili d'aujourd'hui. La tenue de cette rencontre fraternelle a eu sa raison d'être. Elle a permis aux participants de diagnostiquer les problèmes du développement qui minent leur cadre de concertation permanente, notamment la pauvreté due au changement climatique, le manque d'eau potable, l'alcoolisme, le tabagisme, le chômage des jeunes valides, la question de la protection de l'environnement, les moyens de production agricole et la création des complexes socio-professionnels et scolaires sont autant des thématiques abordées au cours de cette Assemblée générale. C'est justement pour résoudre cette problématique du développement qu'ADMI a placé son thème fédérateur de cette année qui est intitulé « ADMI face aux défis du développement participatif à travers des mouvements associatifs sous-régionaux ». Cette nouvelle donne consiste à transformer ADMI, qui est au départ une association, en une ONG nationale de développement dénommée ADMI ONG Action et Développement, afin de fédérer toutes les énergies à travers les associations sœurs du département de Mont-Ili. Le préfet du département de Mont-Ili, Hamid Ismaël Haran, qui a ouvert les travaux, s'est réjoui de cette belle initiative des filles et fils du département de Mont-Ili qui ont su créer ces cadres de concertation sociale afin de booster le développement économique, social et culturel de leur territoire. À l'Assemblée générale de l'Association pour le développement de Mont-Ili, ADMI, aussi voudrais-je saluer l'initiative du président du conseil d'administration de l'ADMI d'avoir organisé cette assise afin de redynamiser les activités de l'ADMI, renforcer les bases d'une intégration sous-régionale. De manière générale, et plus spécifiquement, de présenter le bilan des activités de l'ADMI. En y faisant ressortir les résolutions, les difficultés rencontrées et les perspectives d'organiser d'activités intégrées, de réserver les textes de base et d'élaborer un plan d'action de l'ADMI. À la suite de l'ouverture des travaux par le premier magistrat du département de Mont-Ili, le président du conseil d'administration PCA, Gaïan Soiré, a saisi l'occasion pour présenter aux participants son rapport moral et bilan des activités réalisées au cours des années précédentes par l'Association pour le développement de Mont-Ili. Bilan qu'il qualifie de positif et satisfaisant au regard des difficultés d'ordre économique et financier que traverse son association qui ne pèse que sur ses épaules, tout en remerciant les partenaires et les membres actifs qui ont accompagné l'ADMI dans ses efforts de la recherche du bien-être social de la population de Mont-Ili. L'ADMI est créé sur les cendres de l'ADEF, entendez, Association pour le développement de Fianga, qui a connu un long parcours dans les actions de développement. Sa zone d'action couvrait alors une aire géographique qui correspond à celle de l'actuel département de Mont-Ili. L'ADMI, dans ses objectifs, vise à encourager et soutenir les initiatives locales de développement dans tout le département de Mont-Ili, promouvoir un développement participatif intégré
visant l'autopromotion, en conformité avec les choix fondamentaux de l'homme, notamment ses besoins économiques, sociaux et culturels. Par la réalisation de projets de développement dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la santé, de l'agriculture, de l'élevage, de la protection de l'environnement, de la satisfaction des besoins en eau potable, du tourisme, etc. Suite à cette présentation du rapport bilan du PCA de l'ADMI, les participants ont observé une pause café avant de revenir en salle pour mettre en place le présidium afin de débattre les thématiques retenues pour l'Assemblée générale. La majorité des participants qui a intervenu était, on ne peut plus clair, pour poser la Fédération des énergies avec des associations sœurs du Mayo-Kébi-Est afin de marquer leur solidarité agissante pour des actions plus prometteuses. Après les débats, une recommandation a été formulée et lue par le président du Présidium, Kalandi Dindandi, allant dans l'idée de changer le statut de l'ADMI en une ONG nationale de développement avec comme sigle ADMI ONG Action Développement. Votre présence à Fianga témoigne de l'intérêt particulier que vous accordez aux défis à relever de l'ADMI, défi inlassable pour promouvoir le développement intégré, participatif et local. Je voudrais parler de la présence effective des coordonnateurs du TAPI Québec International, de l'association de Moussoum Maïlé, du Codoma International, de la Tokéwi. Ce n'est pas tout. En marge de l'Assemblée générale, l'ADMI, en partenariat avec le groupe de réflexion sur la décentralisation au Tchad, GRDT, a organisé un atelier de formation à l'attention des élus locaux afin de les outiller en technique de gestion de la chose publique. La secrétaire générale du département de Mont-Ili, Labe Tilgué-Éveline, qui a ouvert les travaux de cette formation, invite les bénéficiaires à s'approprier des enseignements qui seront donnés par le formateur afin de mieux administrer leur cité. La formation que vous aurez ici a pour thème le renforcement des capacités des élus locaux et le cadre de concertation communale. Et si notre formateur a pensé à notre commune tout en choisissant ce thème, ce n'est pas au hasard, car nous avons vraiment besoin d'être renforcés et c'est ici le lieu de lui adresser toutes nos reconnaissances. Chères participantes et participants, vous aurez toute une journée de formation et je voudrais porter à votre bienveillante attention que vous aurez toutes les présentations nécessaires sur le thème et si vous y accrochez avec attention, vous sortirez de cette salle bien bagagée afin de contribuer au développement de notre chère commune de Fianga. Le PCA de l'ADMI, gagnant soirée, exhorte également les récipiendaires à bénéficier au maximum de cette formation qui est la première du genre organisée en faveur des élus locaux dans la ville de Fianga. Les premières ressources d'une organisation, c'est d'abord les ressources humaines. Vous pouvez avoir suffisamment de moyens, mais si les ressources humaines qui sont les premières ressources d'une organisation ne sont pas outillées, on risque de toujours naviguer à vue. Et vous le savez très bien que le Tchad a opté pour la décentralisation, pour l'État unitaire décentralisé, et pour asseoir le développement des localités. Et les premiers acteurs dans la commune, dans ces collectivités-là, c'est vous, les élus locaux. Donc il est de notre devoir, au niveau de notre association, de vous apporter l'appui, le soutien nécessaire pour que vous également, vous puissiez contribuer au développement de la ville de Fianga. L'Assemblée générale de l'Association pour le développement du département de Mont-Ili a tenu toutes ses promesses avec des débats fructueux et féconds. Un adage populaire disait qu'on ne change pas une équipe qui gagne. L'ancien bureau du conseil d'administration a été reconduit dans toute sa composition, sauf un léger aménagement a été opéré pour combler le vide laissé par quelques frères membres du dit bureau qui ne sont plus de ce monde. Pour joindre l'utile à l'agréable,
Les participants à ces assises ont promis d'organiser le Festival culturel Gourna International qui regroupera les Toubri, Kera du Tchad et du Cameroun en octobre 2023 à Fianga, dans la province de Mayo Kibies. Oui.